Bon, tu vas dehors, hein? Mais pas trop longtemps, hein? Tu restes avec ton petit frère et tu le surveilles bien. Je veux pas te voir traîner avec les malfrats du quartier. Tu m'entends? Faut dire qu'on ne menait pas large dans nos Bermudas. C'était l'âge de l'insouciance pour notre époque. Des premiers cas, les stats nous donnaient perdu d'avance. Chômeurs longue durée, délinquants, rebut de leur douce France. Les malentendus menaient les moins malins dans les méandres de l'aliénation. Néanmoins, la moiteur de nos immeubles a nourri en nous la graine de l'émancipation. Ghetto qualification, nombreux sont les chemins qui te font perdre la raison. Dans ce climat instable, les chefs de famille nous achetaient de beaux cartables, mettaient du pain sur la table, dans le but de faire de nous des gens respectables, raisonnables, pour casser notre image déplorable. Une fois livrés à nous-mêmes, rencontrions les mêmes problèmes. Qui croire, la Bible ou le Coran, le père ou le prof, le cœur ou la crosse, je lâche ou je m'accroche. Quand chaque anicroche écorche l'amour propre de tes proches, à la moindre entorse, ce sont des flèches empoisonnées quand tu décoches. Mais si tout autour de toi les gens finalement meurent ou morflent, c'est que la situation délicatement se corse. Chacun de mes réflexes est conditionné par l'opinion que je me suis forgé. Chacun son jugement, chacun ses vérités. Pile face droite, gauche, ton choix est à ta portée. Chacune de mes actions est mesurée par mon tempérament, ma combativité. Je veux que mes choix découlent de ma volonté. Pile face droite, gauche, mon choix est à ma portée. Puis vient le temps des premiers amours. Il y a ceux qui croient et ceux qui cassent toujours. Les cœurs sanguignolants se sentent seuls dans leur tour. Certains prendront la route de leurs sentiments, d'autres feront des tas de détours. Ce contexte fera l'affrontement de deux écoles, celle des capotes et celle des guignols. Ces derniers ne se sentent plus très bien, ont disparu de notre quotidien. Avant de lutter contre la faim, de chair et de pain, certains se mettaient en situation d'échec rien qu'en tendant la main. Tu sais, on était africains, antillais, portugais, maghrébins, français, italiens, celtiques, mauriciens, comme rien. Et il paraît que nos ancêtres étaient des gaulois très bien. Tous portons-nous des histoires différentes. On nous a mis dans un même moule pour qu'on dévale la pente. Par réflexe, aujourd'hui on préfère les petits chemins qui serpentent. On sait que notre salut est près d'une grande porte, alors on se glisse dans une fente. Si le Vatican est innocent, alors nous aussi. Si aux guerres succèdent les traités, alors on signe aussi. Si votre actuel président est un menteur, eh bien nous aussi. On juge la machine et sa courroie. Tu me crois, tout va mal jusqu'ici. Chacun de mes réflexes est conditionné par l'opinion que je me suis forgé. Chacun son jugement, chacun ses vérités. Pile face droite, gauche, ton choix est à ta portée. Chacune de mes actions est mesurée par mon tempérament, ma combativité. Je veux que mes choix découlent de ma volonté. Pile face droite, gauche, mon choix est à ma portée. En tout cas, rien ou rien ne nous prédestinait à devenir auteur, compositeur, interprète, demande à ma mère. Aujourd'hui, quelques-uns d'entre nous réajustent leurs repères, écrivent des histoires, des poèmes ou disent des prières. Et nous passons par l'inévitable processus de verbalisation, indispensable à la progression dans l'élévation. Nombreux sont ceux qui n'ont pas conscience que leur verbe est une arme blanche, une lance, qui doit plus servir qu'à servir. Alors si c'est pour être vizir à la place du vizir, pose ta plume, triste cire, cesse de mentir. Tu vois bien que personne ici ne veut de ton élixir. Chacun de mes réflexes est conditionné par l'opinion que je me suis forgé.